Bonjour tout le monde, ici Jay. Alors aujourd'hui, on est en capture de flag sur la map WMD et je joue, attention, je joue avec deux membres de la team LPN qui sont John et Noob Guy. C'est ça, on va faire du capture de flag. Moi j'avais envie de faire. Attendez un peu, je baisse le son, je suis en train de me démolir les oreilles. Bon. J'avais le goût de faire du capture de flag. En fait, à cause que je voulais avoir Marathon Pro. Marathon Pro, j'avais besoin des First Blood, premièrement. Les premiers 100, j'en avais besoin de plusieurs. Puis comme en capture de flag, il y a plusieurs manches, il y avait possibilité d'en faire plusieurs dans une partie. Aussi, il me faut des captures. Avoir de la distance de parcouru. Donc, en capture de flag, il y a beaucoup de premiers 100. On peut faire plusieurs captures. En fait, c'est le seul mode de jeu en ce qu'on peut faire des captures. Et aussi, comme il faut aller défendre, qu'il faut aller chercher le flag, il faut aller faire plein de trucs, ben comme ça, en fait, ça nous oblige à toujours courir. C'est pour ça que ça me tentait de faire ça. Puis en plus, avec John, qui est le leader de la team, et Noob Guy, qui lui est arrivé un peu après la formation. Je sais pas trop quand, mais c'est ça, une vraie petite partie de plaisir. En plus, quand on communique comme ça avec les micros, on n'est pas encore sur Skype, mais j'ai vraiment envie de réaliser ça. Donc là, je me suis rendu compte qu'on était 5 contre 3. Je trouvais ça vraiment... Et au début, je pense que c'était du 3 contre 3, puis ils nous ont donné les deux qui ont rentré dans la partie. C'était peut-être un groupe, mais finalement, inquiétez-vous pas, ça va se replacer. On va encore se retrouver. Ça va être du 5 contre 5. Ici, on assiste à un joli petit kill de Noob Guy, je crois. Alors là, je vais faire ma première capture de la partie. Et voilà, ma capture. Faut dire aussi que dans l'autre équipe, il y avait deux fantômes, je crois. Fait quand on avait... un spy plane, il fallait faire attention de pas se faire que ça soit, en fait on espérait que ça soit quelqu'un avec qui avait pas fantôme, qui avait pogné le drapeau. Donc là vous voyez un fantôme, je l'élimine avant qu'il puisse prendre le drapeau, et on voit John qui arrive et qui va faire la petite capture de fin, et moi qui danse. C'est ça. Premier round, gagné 3-0 assez facilement, si je peux dire. C'est ça. Là, je suis à 6 kills et 0 dead. Je joue avec la MP5K, si vous avez vu. Je joue avec la camo Sibérie. C'est en fait la camo que je joue toujours avec. Là, j'obtiens mon 7ème kill avec prendre mon écho. En tout cas, fait que c'est ça. Je joue avec la camo Sibérie, qui est la plus belle, je pense. C'est vrai que Tiger c'est beau, mais il y a comme trop de personnes qui l'utilisent, je trouve que ça devient, c'est comme plus original là, tout le monde l'utilise. Donc c'est ça, j'utilise ça, et j'utilise tir rapide aussi avec la MP5K. Là, moi j'étais fier de me dire bon, mais je joue avec une arme qui est en fait pas de débutant, mais une arme qu'on retrouve au début. Puis je me consolais en me disant que, tu sais, je faisais des bons scores, mais puis que c'était puissant comme arme là. Je la trouvais bonne, je me trouvais bon avec. Mais là, je me suis fait dire que c'était une arme de noob, que ça faisait trop de dommages. Mais regardez, cette arme-là, ça attaque de loin, là. Puis, ça attaque pas de loin, je veux dire, ça bouge beaucoup trop. Moi, en fait, j'ai pas vraiment besoin de ça parce que je rush. J'ai besoin d'une arme qui est puissante au corps à corps. J'ai besoin d'une arme qui tire rapidement. Justement, qui est puissante, qui a quand même une bonne mire. Donc, c'est pour ça que je l'utilise. C'est pas... Je vais pas faire mon noob, là. Je veux dire, si je pourrais être bien plus noob, si j'utiliserais, je sais pas, il y a des armes ben pires comme, l'AK-74U, ou l'AKU, comme dit Monsieur le V12. L'AK-74U, qui est vraiment, comme je le pense, l'arme la plus noob du jeu. Ou sinon, il y a aussi le FAMAS, qui est un peu abusé, attention. Hop, je vois que l'autre fois j'avais plus beaucoup de balles, donc je prends le FAMAS, le fameux FAMAS de John, qui est chargeur amélioré. Je lui dis, John, je viens de prendre le FAMAS, c'est le mien. Là j'étais sûr de pas perdre, que j'avais le FAMAS du professionnel John. Je passe à côté de Noob Guy, je crois.
petit 360. Donc c'est vraiment ça. J'aime beaucoup jouer avec mon équipe là, en Tech 3 là, mais quand même. Puis là, Noob Guy avait eu sa tourelle. Une tourelle en capture de flag. C'est peut-être le truc qui sert le plus là s'il se fait pas détruire. Donc je me fais coter. Donc là, on n'a pas beaucoup de temps. J'ai essayé de switcher pour aller voir voir la vue comme de mes alliés, mais je réussissais jamais à le trouver à cause que, ben, je sais pas, j'étais juste trop nul pour le faire. C'est juste qu'il y avait pas assez de temps. Donc là, il y a Dakota dans notre équipe qui a le flag. Là, je me fais dire par John et Noob Guy, non, c'est pas nécessaire. Nous, on le prend, on va le prendre, le gars qui avait le flag. Donc moi, je vais faire mon petit kill pour être sûr qu'il se fasse pas revive. Là, il y avait un ghost à droite avec son arbalète, puis je l'ai pas vu. Là, je le voyais quand en voyant la vidéo après, là, mais pas grave. Donc là, je tue une personne. Je détruis sa tourelle. Et là, je retourne pour capturer le flag ou pour aider... non, c'était pour retrouver le flag ennemi. Parce que, regardez, là, je suis le seul qui va le chercher. Je veux dire, c'est pas... Je mets pas le blâme sur les personnes de mon équipe. Au contraire, c'est à cause que moi, c'est pas l'objectif clair. En tout cas, j'étais un rusher, vraiment. Je rush, puis je rentre dans le tank, ma petite MP5. Car... Et j'essaie de jouer l'objectif. Puis en plus, c'était mon défi de faire le plus de captures. Donc c'était à moi de me démerder. Donc c'est ça tout le monde. Ça met fin à la partie. Hyper facile. 2-0. Donc 6-0 en tous les captures. J'ai fait une partie de... Attendez, on va voir le score. J'ai fait une partie de 19-5. 2 captures. Et je l'ai retourné le drapeau 3 fois. Donc c'est ça. C'est une petite partie... en fait, un bon score. Noob Guy, lui, qui a fait 12-5, 0 capture, il l'a retourné une fois. John, lui, qui a fait 4 kills, 5 dead, mais 2 captures. Donc, John, lui, c'est vraiment... Il défend, il rentre dans le tas avec son FAMAS, et même s'il n'a pas fait beaucoup de kills, il a été très utile. Donc, c'est ça, tout le monde. Ça met fin à ma vidéo. Je vous invite à commenter, à vous abonner et à aimer mes vidéos parce que ben il va en avoir plus si j'ai de la modification puis que vous dites que vous aimez mes vidéos. Donc c'est ça tout le monde, au revoir.